Hey Charles, réveille-toi, on a une chronique nature à filmer. Encore 2 mois, il est trop tôt, laisse-moi hiberner. Bah, tu veux dire hiberner? Bah non, j'hiberne pas. Il y a une grosse différence entre l'hibernation et l'hivernation. Un animal qui hiberne va passer l'hiver en léthargie complète. Comme ce hérisson par exemple. Il a passé tout l'automne à faire des réserves de graisse, avant de se confectionner un nid douillet pour passer l'hiver à l'abri. Sa température corporelle va descendre jusqu'à 0 degré minimum, pas en dessous. Son cœur va passer de 180 à 10 battements par minute. Et sa respiration va diminuer entre 4 et 7 respirations par minute. Si tout se passe bien, il ne se réveillera qu'au printemps. L'ours, par contre, contrairement à ce que beaucoup croient, n'hiberne pas mais hiverne. Il va somnoler, mais il va rester actif et réactif. Il va pouvoir s'alimenter, se déplacer, et la femelle va même donner naissance à ses petits et s'en occuper pendant l'hiver. Alors Nathalie, j'étais en train d'hiberner ou d'hiverner? Alors, comme tu as réagi quand je t'ai appelé, je dirais que tu étais en train d'hiverner. Oui, exactement. Et du coup, j'y retourne. Allez, à pour une prochaine chronique nature.